Et ce serment que nous respectons, c'est là. Ben, c'est lui qui a dit dans sa parole, si je fermerai le ciel, qu'il n'y ait pas de pluie, et que si je permets qu'il y ait des pestes, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation. Ouais, même vos acclamations sont là, bien entendu. Nous savons que si nous sommes là aujourd'hui, c'est le Seigneur. Le prophète du malheur, de malheur avait prophétisé que nous, en Afrique et singulièrement au Congo, nous serons comme des mouches qui ont été touchées, qui sont touchées par l'insecticide. Nous tomberons, mais le Seigneur jusqu'à aujourd'hui nous garde. Et il continuera à nous garder toujours. Et que s'il arrivait que nous puissions partir, nous partirons parce que lui a permis. Ok? Et il ne faut pas aller retourner à la maison sans que votre maison ne se termine. Sinon, vous allez rester dans le véranda de quelqu'un. Le Seigneur a dit, je suis allé vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Il faut aller quand le Seigneur voudra. Et vous n'irez pas quand les hommes voudront ou les circonstances. Ouais, amen. Waouh, je suis à ce que j'ai entendu ce matin. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, ça c'est l'héritage que nous avons. Notre Père ne nous a pas laissé l'or et l'argent, mais nous a laissé l'héritage. J'aimerais vous lire, avant que nous puissions parler, le texte que nous avons parlé avec lui une heure avant même que j'apprenne. Après avoir parlé avec lui plus de 3 heures, alors qu'il s'est trouvé en Afrique du Sud, que nous apprenions qu'il n'est plus. Voilà le texte que nous avons partagé ces jours-là. Je le lis à vous. Je crois que j'ai lu ça avec le pasteur Maurice une fois, je crois, ou pas encore. Alors qu'il me disait, frère, je suis rentré de l'Afrique, je suis pas rentré de l'Afrique du Sud, je suis venu pour le contrôle cette fois-ci. Et comme nous avons prié à la maison avec lui, et il me dira, voilà, nous avons beaucoup de choses à faire, on n'a rien trouvé, mais nous sommes en train de revenir parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut que le Congo soit conquis par Jésus. Il faut que le Congo soit conquis par Jésus. S'il y a les bottes qui ont endeuillé cette nation, qui est les bottes, les chaussures, les pieds qui annoncent l'évangile de la paix dans cette nation. Et le texte, c'est Ésaïe 59, le verset 18. Ah, ce n'est pas ça, mais je vous lis seulement pour comprendre notre héritage. À partir du verset 18, il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires et la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Verset 19, nous lisons ensemble. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et la gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Le verset 21, voilà, on lit ensemble. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants,
ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Amen. L'Esprit et la parole ne se retireront point de ta bouche. Nous voulons dire merci au Seigneur singulièrement et à notre bien-aimé collègue et frère, compagnon de longue date, le pasteur Maurice. Je me souviens quand nous sommes venus pour la première fois de début, comme il a parlé ce matin de faible commencement. Il y avait un conteneur quelque part. Et ici, derrière, là-bas, je ne sais pas s'il y avait le cimetière quelque part là-bas, plus loin. C'est ici, donc, voilà. Ah. Et nous avons vu ça et nous avons, j'ai dit, bon, là, c'est ce qu'on appelle le boaku. Et c'est dans le boaku quelque chose de bien peut venir de le boaku. Je ne lui ai jamais dit ça. C'est comme si le Seigneur me rappelait les paroles que Philippe a dit. Et c'est quelque chose de bon peut venir d'eux. Et des fois, vous, on dit de vous, quelque chose de bon ne peut venir de vous. Et peut-être qu'il n'y a personne dans votre famille. Tout commence, mais il n'achève pas. Mais des fois, ils commencent, mais en route, ils abandonnent. Mais toi, vous et moi, nous commençons avec celui qui est le commencement et nous voulons aller avec celui qui est la fin. C'est pourquoi lui-même a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Je me dis merci aussi singulièrement à ces couples trop jeunes qui pouvaient faire autre chose, qui pouvaient entreprendre autre chose, mais écouter la voix de Dieu et obéir à ces dieux-là, c'est ce qui fait la différence. Et lorsqu'on obéit, ce n'est pas que vous allez rouler sur les roulettes, et le chemin est rocaillé, mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui-même a marché devant. Et si lui marche devant, il ne va pas vous laisser. Pourquoi ? Il fera plusieurs pas, mais il reviendra vous prendre et vous amener. C'est ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Ici, Amata dit, ce que vous voyez, il ne faut pas vous contenter seulement de ça, ce que vous avez vu. Vous allez voir plus que ça. Non, pas seulement plus que ça. Ouais, que votre main soit amen parce que vous croyez. Mais moi, je crois, je peux croire même à votre place, comme Jésus a cru à la place de cette femme-là qui était courbée. Mais le Seigneur ne lui a pas dit, par ta foi. Non, non, le Seigneur lui a dit, c'est moi, redresse-toi. Il y a quelques personnes, comme nous sommes là, vous avez besoin seulement de redresse-toi. Parce que vous ne croyez plus à cause de cette bosse. Et vous allez vous redresser. Merci, 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 pasteur. Quand je vous entends parler de comment nous sommes venus avec des occupations. Mais vous savez, lorsque vous avez un être cher, il y a dans la famille, même Jésus lui-même avait des disciples, mais il y avait ceux-là qui étaient plus attachés que lui. Même si nous sommes absents du corps avec vous, mais notre cœur est avec vous au travers de mon jeune frère. Et vous savez, lorsqu'un père quitte et qui vous donne un testament, qui vous dit des choses dans la famille, si quelques enfants, vous-même, vous prenez ça au sérieux. Même si vous ne vous voyez pas, mais vous faites attention de veiller à ce que papa a dit, si tel enfant, je lui ai parlé. Et je ne vais pas répéter ici, ce sont
dans la famille, ça ne manque pas de confidences, mais je ne peux pas vous parler de toutes les confidences, de toutes les confidences, je ne saurais pas le faire. Mais sache seulement que si vous participez dans ce qui se fait ici avec votre cœur, avec votre pensée, avec votre force et avec vos talents, non pas seulement ça, mais avec votre temps et avec votre trésor, le Seigneur vous surprendra. Mais ne venez pas ici comme un spectateur, mais venez comme un participant. Vous dites, Seigneur, je vais participer. Ne venez pas comme un spectateur, mais comme un participant. Ça, c'est deux. Troisièmement, ne venez pas comme un intrus. Parce que vous voulez voir ce que le Seigneur veut faire. Mais vous verrez peut-être le vent de l'esprit vous balayer. Mais le Seigneur n'aime pas que vous soyez balayé. Il veut que vous puissiez vous repentir. Et enfin, quatrièmement, venez pour soutenir comme Hur et Aaron ont soutenu les mains de Moïse parce que Josué était dans la bataille et il a triomphé. Venez pour soutenir la vision. Et n'ayez pas une vision dans la vision. Mais soutenez la vision pour découvrir votre vision. Mais si vous venez créer une vision dans la vision, vous n'allez plus voir. Peut-être vous serez aveuglé. On ne crée pas une vision dans la vision. Josué n'a pas créé une vision dans la vision. Caleb n'a pas créé une vision dans la vision. Même s'ils étaient allés ensemble pour aller explorer le pays, quand Josué est monté, Caleb n'a pas allusé. Il n'a pas allusé. Ils avaient une promesse. Mais la promesse de Josué s'est accomplie. Il a succédé Moïse. Mais nous étions avec Josué. Comme aujourd'hui, on pouvait dire, hein, quand quelqu'un est élevé, moi, je le connais. On était avec lui. D'ailleurs, il venait manger chez moi. Vous connaissez les Congolais, comment ils parlent. Il a mangé chez vous. Mais il mangeait chez vous. Non pas qu'il sera toujours celui qui viendra manger chez vous. Mais des fois, ce que vous allez manger chez lui sera plus que ce que vous avez. Ce qu'il a mangé chez vous. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à cela. Le lendemain de chacun de nous est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur te tient dans sa main. Il te tient dans sa main. Ne venez pas crier. Je suis en train de parler de ça. Ne venez pas créer une vision pour commencer quelque chose à partir d'ici. Mais partez parce qu'on vous a dit, pars. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre 29e anniversaire avec cette jeune fille. Trop jeune, et le Seigneur l'a ramené des montagnes de l'Est là-bas. Et des concours de circonstances ont fait que nous soyons ensemble aujourd'hui, 29 ans, dans les marées, dans les vents, dans les turbulences, dans quoi que ce soit. Mais le troisième fils était là. Il nous a tenus ensemble. Moi, avec les champs chauds, des gens du centre là-bas, vous connaissez les guerriers. Et puis la personne qui vient de l'autre côté où on dit
C'était compliqué. Alors, gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur nous a bénis avec ses quatre enfants. Et le garçon qui est l'unique, et les quatre filles, j'ai trois filles. Ah, quatre filles, il n'y a pas une qui viendra encore. Peut-être la fille de mon fils, peut-être sera notre quatrième, ou bien la fille de notre fille, il sera notre quatrième, nous allons l'adopter. Comme Jacob a adopté Manassé et Ephraïm. Je crois qu'il en sera ainsi, mais tout à l'heure là, ils sont là. Et merci aussi pour les fils qu'ils nous donnent, il n'est pas seulement avocat, c'est un serviteur de Dieu, un pasteur, un assistant à l'Arche de l'Alliance, Maître Combo, et le fils qui est de l'autre côté là-bas, Winner. Merci beaucoup. Vous avez des salutations de vos frères et sœurs de l'Arche de l'Alliance qui vous saluent. Et quand j'ai écouté mon jeune frère ce matin, j'ai dit, Seigneur, mais bon, qu'est-ce que nous allons parler? L'orateur principal, c'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, pendant ces quelques jours que nous serons ensemble, prenez votre part, mais ne jetez pas la pierre. Mais prenez votre part, ce sera une pierre, comme la pierre de front de David, pour aller terrasser les géants qui sont devant vous, qui vous empêchent à entrer et à créer votre héritage. Amen. Amen. C'est pourrions-nous nous lever ensemble. Par votre permission, nous lisons le livre de Josué, chapitre 14. Le deuxième service se termine à quelle heure? À 11h30, d'accord. Ok, le verset 6e, si nous pouvons prendre ensemble et lire. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport. » Au lieu d'utiliser « nous lui avons fait », il a dit « j'ai ». Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans. » C'est-à-dire, maintenant, il avait 85 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir,
et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Les gens demandent des plaines, mais lui demande la montagne. Dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos sans guerre. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous vous rasseoir. Le thème de l'année est « Mon Dieu défendra mon héritage ». Le Dieu qui donne l'héritage, lui-même défendra. Mais le thème de cette convention, c'est la création de l'héritage. La création de l'héritage. Le mot « création », je ne vais pas aller trop loin, s'il vous plaît, parce que je prends mon temps. Il n'y a aucune personne qui peut créer sinon Dieu. Tous nous transformons, mais nous ne créons pas. Mais, nous allons découvrir qui doit créer alors l'héritage. Qui doit créer l'héritage? Le mot création, c'est appeler quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça créer. Mais je lis aussi dans le livre de Ésaïe 43, lorsque vous lisez à partir du verset 18, Dieu dit à Israël, exhorte Israël, ne pensez plus aux événements passés. Ne se souviens pas de ce qui était autrefois, car je crée. Quand je lis ça, je dis Dieu crée encore aujourd'hui. Car je crée des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais compris et entendu. Dieu crée encore. Mais vous avez dit que créer, c'est appeler quelque chose. Mais Dieu crée encore au travers de ceux qui ont Dieu. Waouh! Vous êtes une bonne classe, un bon auditoire ce matin. Notre but, ce n'est pas seulement de prêcher, mais j'aimerais que vous sortiez ici, en ces lieux, avec quelque chose où ceux qui vous verront à l'extérieur, là que vous travaillez, dans votre famille, disent que Dieu a visité cet homme. Amen. Ne pensez plus aux événements passés, je crée. C'est-à-dire, Dieu crée encore aujourd'hui. Ne vous souvenez pas. Nous pouvons lire ensemble avec vous, pour que vous voyez ensemble que Dieu crée. Ésaïe 43, à partir du verset 18.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Dites en vous-même, Dieu crée encore. Et il crée en moi, il va créer au travers de moi et par moi. Il crée encore. Il crée encore au travers de ces femmes et hommes. Voilà, en bref, le mot créé, là, c'est une petite explication seulement où nous pouvons entrer. Héritage. L'héritage, c'est ce qui vient par la voie de succession. Nous écoutons souvent l'héritage de ses pères. Ce que des parents ou tierce personne en légué à quelqu'un. Mais l'héritage, on peut aussi la faire valoir. Il y a plusieurs personnes qui ont hérité, mais qui n'ont pas fait valoir l'héritage, et il s'est passé bien de choses. Il y a un proverbe qui nous dit: la promesse des grands n'est pas un héritage. Il ne faut pas compter sur des personnes, des grands seigneurs, comme tu nous dis, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Quand celui, une personne peut vous promettre aujourd'hui, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci sur toi. Et cette personne meurt, tout ce qu'il vous a promis disparaît avec lui. Mais celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, même si dans quelques minutes avant que vous ne quittiez ce monde, il le réalisera. Amen. C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, le service, servir des grands n'est pas un héritage. On n'est pas toujours assuré de faire fortune auprès des grands. Il y a des gens qui ont été à côté des grands pour se faire des fortunes. Et comme la Bible nous dit que l'argent se fait des ailes. Et ce que vous avez possédé à côté de ces grands-là, vous ne l'avez plus. C'est parti. Mais vous êtes resté avec quoi? Mais si vous avez celui qui a fait l'or et l'argent, l'argent fait disparaître. Mais celui qui a fait l'or et l'argent est avec vous, vous crierez encore et vous aurez encore, parce que l'argent sera dans vos mains et lui sera entièrement dans votre cœur. Amen. Mais comment créer un héritage? Alors que l'héritage vient ou s'obtient par la voie de succession. Comment créer l'héritage? Ce que vous héritez vient de quelqu'un d'autre qui a travaillé, qui a peiné. Mais il y a ceux-là qui sont des jouisseurs. Dis avec moi, jouisseurs. Je ne veux pas être un jouisseur. Il y a beaucoup de jouisseurs, de personnes qui ne vous accompagnent pas lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes en train de peiner, mais qui veulent seulement venir récolter avec vous et dire que nous étions là, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez le souvenir dans ces mêmes endroits que vous fréquentez, ou bien vos parents, ou bien vos amis, ou bien quelqu'un que vous connaissez
qui a participé, il a dit non, nous avons des frères. Il y a des autres qui viennent comme ça, qui sont indifférents. Indifférents dans le show de Dieu. Indifférents dans tout ce qui concerne le Seigneur. Mais lorsque il y a quelque chose, il y a une bénédiction, c'est ensemble. Comment créer l'héritage? Le premier point que nous voulons voir ensemble avec vous, c'est la connaissance de sa source est indispensable. La découverte de ses origines et de son identité est indispensable pour créer l'héritage. Écrivez ça. La découverte ou la connaissance de sa source, de ses origines, est indispensable pour créer. Et souvent, nous avons écouté un philosophe qui a posé la question de savoir qui suis-je? Qui suis-je? C'est-à-dire mon origine. Ma source, où est-ce que je vais et que dois-je faire? Dans tout cela, il faut consulter ce que quelqu'un a appelé le manuel du fabricant. Si vous achetez quelque chose, même tous ces sièges là où nous sommes, autrefois nous n'avions pas ça, nous avions des histoires qui étaient des bancs qui étaient sur les quoi, mais maintenant regarde comment la salle. Quelqu'un qui vient maintenant et dit, dans cette église, je vais seulement là pour m'asseoir. Et tu as choisi d'ailleurs une place. Mais si c'était autrefois, là, vous alliez choisir quelle place? On doit consulter le manuel du fabricant pour connaître, pour découvrir ses origines. Le manuel du fabricant, pour découvrir ses origines, notre manuel qui a sa Bible ce matin, voilà le manuel. Vous voyez notre manuel électronique ou en papier cartonné, voilà le manuel. Consulte ce manuel et vous saurez qui vous êtes, et vous venez d'où, vous allez où et qu'est-ce que vous devez faire. Amen. Amen. Le point que nous avons, cette découverte-là vous aide à comprendre qui vous êtes pour créer l'héritage. Parce que comme je disais, que Dieu crée encore aujourd'hui, il crée avec qui? Dans le livre de Genèse, nous avons Dieu, après avoir créé toutes choses, et le monde était informe et vide, nous trouvons ces deux verbes, créer et former. La Bible nous dit que Dieu, après avoir parlé dans toute la création, le monde était informe et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu, il créa. Il a dit qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit. Dieu créa. Il créa. Amen. Il créa d'abord. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, créons l'homme, c'est le verbe.
à notre image. Dieu a créé là cet homme, il serait qui? Nous lisons dans Jean 4, 24 que Dieu est qui? Il est esprit. Amen. Dieu, comme nous avons entendu ce matin, une pensée, il a une idée, une imagination là, au fond de lui. Il créa cet homme-là. Et la Bible nous dit dans le psaume 74, il a dit, celui qui a fait les yeux, ne vois-tu pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entends-tu pas? Celui qui a fait le pied, ne marche-t-il pas au milieu de son peuple? Et celui qui a fait le cœur, n'aime-t-il pas? Et sa main n'est pas courte. Il pensait cet homme-là, il serait comment? Il serait comment? Mais Dieu pensait en tant qu'esprit. Amen. Amen. Il a pensé l'homme-là. Ce que l'homme serait. Il serait comme lui. Il va être comme lui. Il va dominer comme lui. Il va participer à la création comme lui. Il va travailler comme lui. Il va aimer comme lui. Il pensait là. Mais cet homme que Dieu pensait là, comme ces bâtiments, je crois qu'avant que ces bâtiments n'existent, il y a eu une pensée. N'est-ce pas ça? Les architectes ont travaillé. Est-ce que c'était visible? Vous pouviez passer ici sans voir ça? Autrefois, comme je disais là, vous ne voyez que le bois coule seulement. Et des cimetières qui sont là, ces ossements qui gissaient là. C'est ce que vous pouviez voir. Mais celui qui est un architecte, comme cet homme-là, vous savez, vous pouvez voir un morceau de bois passer à côté. Mais lorsqu'il y a un artiste comme ceux-là qui travaillent le bois ici, je l'ai vu souvent quand je viens ici à Matadi, j'aime voir ces gens-là. Vous les voyez avec les morceaux de bois inutiles. Et cette personne-là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et il va faire sortir quelque chose qui va coûter trop cher. Ça, c'est ce que Dieu a pensé là. Mais la Bible nous dit que Dieu, il va venir ici au chapitre 2. La Bible nous dit que Dieu a formé. Est-ce que nous sommes là ensemble? Amen. Dieu a fait quoi? A créé. Et il vient ici faire quoi? C'est-à-dire mettre à l'exécution ce qu'il a pensé. Wow. Et ce n'est ensemble. Quand j'ai écouté les amis ici chanter, j'ai dit, mais waouh! Comme les Anglais disent, it's amazing. Amen. Mais avant qu'ils ne chantent comme ça, il y a un travail, n'est-ce pas? Un travail. Vous venez ici, vous dansez, mais avant de venir danser ici, ils ont travaillé, les artistes, les pianistes, les drummers, ainsi. Est-ce que vous voyez ça? Non. Vous venez seulement participer. Dieu a créé là. Et il vient former ici. Mais regardez le cas. Il pense, faisant l'homme à notre image, il voit déjà cet homme-là. À son image et à sa ressemblance. Et il se réjouit. Amen. Si vous voulez voir avec moi quelqu'un qui se réjouissait avant que vous n'existiez, si vous voulez lire avec moi, ok, disons Proverbe. On est ensemble, frères et sœurs. Votre pasteur prêche bien. C'est... Mais moi, je parle. Amen.
Proverbe le chapitre 8e. À partir du verset 27. Ok. Non, à partir du verset 22 plutôt. Ok, ensemble, j'ai dit avec moi. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est pourquoi il y a certains qui disent que Jésus a été créé. Ici, c'est la sagesse personnifié. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de quoi? De la terre. Je fus enfanté quand il n'avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent. Je fus enfanté. Il n'avait encore ni fait, ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes. C'est-à-dire, vous trouvez la chimie. OK? De la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa des nuages en haut. Et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de quoi? Et lisez avec moi la partie B, trouvant quoi? Parmi qui? Waouh! C'est qu'il y avait l'homme déjà. Waouh! Il trouvait son plaisir près des fils de l'homme. Mais ces fils des hommes étaient où? Était en Dieu. C'est-à-dire, vous étiez déjà en Dieu. Waouh, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ça. Les parents vous envient seulement venir. Amen. C'est pourquoi lui-même a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formé sur toi. Il a dit à Jérémie, lorsque tu n'étais pas encore conçu dans les seins de ta mère, je te connaissais. Oh, c'est pourquoi il ne faut pas, frère et soeur, combattre celui que Dieu connaît. Ne luttez même pas avec celui que Dieu connaît. Tu n'auras pas à lutter avec un homme, tu auras à lutter avec Dieu. Si vous cherchez à l'éliminer, vous allez éliminer ce que Dieu voulait faire sur la terre. C'est-à-dire, vous faites manquer à la terre la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et soyez là ensemble, frères. J'étais là jouant parmi le fils de l'homme. C'est-à-dire, l'homme était là. C'est pourquoi j'ai voulu seulement cette preuve pour que vous puissiez savoir que l'homme était en Dieu avant que cet homme ne soit formé. Hello? Wow. Et Dieu maintenant, il va venir. Maintenant, il va dire, non. C'est-à-dire, Dieu qui est de toute éternité, là où il est dans son royaume éternel, est-ce que Dieu avait besoin seulement d'un homme pour lui placer dans une planète? Il y a plusieurs planètes, mais pourquoi il a pris la terre?
plusieurs galaxies. Pourquoi il a choisi la terre? La terre, c'est le mot Adama. Adama, c'est ce qui est sombre. C'est le mot Adama, sombre. Alors, il ne faut pas avoir peur de votre couleur, de quoi que ce soit. Le problème n'est pas dans la couleur. Dieu a pris ce qui est sombre et Dieu maintenant va lui donner sa nature. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, il a parlé. N'est-ce pas? Que la lumière soit, la lumière fut. Que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas, se sont séparées. Qui est les mers, qui est les océans, et tout cela a été. Mais quand il arrive à former l'homme, Dieu n'a pas parlé. Il a dit faisons, quand il pensait là, mais Dieu, quand il va former, il va les toucher. Voilà. Wow. Que Dieu te touche ce matin. Amen. Si vous manquez la forme, lui te donne la forme. Amen. C'est pourquoi il donne la forme à ceux-là qui n'ont pas de forme. Amen. Dieu va les toucher. Dieu s'est sali même les mains avant que l'homme ne soit sale. Amen. Avant que vous ne soyez sale par le péché, Dieu, quand il a pris la boue comme un divin potier, il s'est sali. Et après s'être sali, il a fait quoi? Il n'a pas envoyé un ange pour toucher un homme. Lui-même a touché. Oh. Et quand il a touché, il a fini. Il vient, il le regarde. Il était là, une masse de terre. Et il vient, il dit, ah, maintenant tu vas recevoir. Et il fait. Dans cet homme-là, et quand Dieu a mis son souffle, ce souffle-là on appelle roua, pneuma. Ce n'est pas l'oxygène. On peut vous placer l'oxygène à l'hôpital, si Dieu prend son roua, tu es fini. Tu es appelé cadavre. C'est pas vrai? C'est pas l'air que nous l'expirons d'oxygène. Non, non, c'est pas ça. C'est une partie de lui-même que Dieu a mis en vous. Oh Dieu, il a mis en vous une partie de lui-même. Et comme Dieu a mis en vous une partie de lui-même, lui le créateur, c'est que vous êtes qui? Wow. Amen. Dieu a mis une partie de lui en vous. Et vous allez trouver ça dans la parole de Dieu. Ici, nous trouvons les psaumes. Les psaumes, chapitre 8. Oh, Riabashandarabakoya. Psaume chapitre 8, le verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Lisez avec moi le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à qui? À Dieu. Vous êtes inférieur à qui? À Dieu. Mais pourquoi vous souffrez de complexes d'infériorité? Vous voulez vous faire passer là où vous n'êtes pas.
vous voulez être ce que vous n'êtes pas. Non, c'est un complexe. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Vous souffrez de ça, pourquoi? Pourquoi? Soyez content de ce que vous êtes. Et de ce que vous faites. Soyez content. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, mais tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. Est-ce que j'ai besoin de chercher la gloire? Non. Je n'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà la gloire. Et il est dit encore, tu lui as donné quoi? La domination. Dis avec moi la domination. Sur les œuvres de tes mains, mais pas la domination sur les hommes. C'est pourquoi des dictateurs, ils n'ont pas leur place. Vous pouvez être un dictateur dans la famille, dans quoi que ce soit, tu es oncle, et tu parles mal de tes enfants, de tes neveux, de quoi que ce soit, tu les terrorises. Celui qui terrorise a aussi un plus grand terroriseur que lui. Dieu va te terroriser. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis quoi? Sous ses pieds. Vous pouvez continuer. Voilà comment Dieu décrit l'homme. Le psaume 8 exprime ici l'incroyable honneur que Dieu a accordé à l'homme. Ici, il affirme qu'en tant qu'humain, nous avons été créés pour un but glorieux. Nous ne sommes ni animaux, ni le produit d'une évolution, comme Darwin l'a dit, naturelle ou du hasard. Nous avons une telle valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes l'objet de sa bienveillance et de sa faveur. Amen. Il nous a honorés en nous choisissant pour que nous dominions sa création. Dominer, assujettir, c'est maîtriser les ressources. Regardez cet endroit-là où nous sommes, on a maîtrisé. Amen. On a travaillé, même les routes, quand nous descendions là, j'ai dit à mon fils, oui, mais faites attention, si la voiture là n'a pas de frein, nous allons cogner de l'autre côté là-bas. On a maîtrisé les ressources. Regardez les avions qui suppriment aujourd'hui la loi de quoi? De pesanteurs. Les bateaux. Regardez les paquebots que vous recevez ici. Cet ensemble de fer et de quoi que ce soit sur les eaux, des vagues et des vagues, c'est maîtriser les ressources. Aujourd'hui, on est en train de travailler aujourd'hui pour comment capter l'air que nous respirons aujourd'hui, l'air aujourd'hui. Ce que Kadhafi avait fait chez lui pour arroser Benghazi et autre chose, ne venait pas des eaux de la mer. Amen. 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 Il nous a honorés. C'est ce Dieu-là. Mais ici, dans le texte que nous avons lu, dans Hébreux, le chapitre 2, vous allez trouver ça. Hébreux, chapitre 2, verset 6 à 8, vous allez trouver ce texte. Que nous trouvons, c'est en Jésus que ces vérités trouvent leur accomplissement. Il est le représentant de la race humaine, lui le deuxième Adam. Nous lisons encore un autre texte dans le psaume 139. Nous sommes en train de parler de l'héritage, créer votre héritage. Amen. D'abord, il faut faire quoi? Il faut découvrir qui vous êtes. Découvrir. Connaissez votre source et votre origine. Et nous sommes là. Pour créer, il faut découvrir qui vous êtes.
Lisez avec moi les psaumes 139. Les psaumes 139. Cet homme qui écrit, c'est David. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue, ensemble, lisez avec moi, je te loue de ce que je suis qui? Si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout écrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Amen. Ici, Dieu joue le rôle ici créatif et très actif dans le développement de la vie même humaine. Nous avons vu la création, mais Dieu nous fait participer, suivez-moi bien, à la création par la procréation. Dieu nous fait participer à la création par la procréation. Vous êtes le fruit, moi je suis le produit de la procréation. Mais David, alors que ses parents, sa maman l'a porté, il a dit, Dieu il accorde toute son attention au petit enfant, dès l'instant même de sa conception. En contemplant le fœtus, il voit également le plan qu'il a fait pour sa vie entière. Dieu, en contemplant seulement le fœtus de ce bébé qui est là, même d'une semaine, Dieu est en train de contempler son plan qu'il a fait. Vous imaginez si vous enlevez, si aujourd'hui, on pouvait avorter Maurice Mouéou. Est-ce que vous seriez ici? Et vous-même aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que si on aurait avorté cette ma fille, est-ce que Maurice aurait des enfants? Même s'il serait ici, il ne serait même pas maribataire, mais il serait célibataire. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble, frère et soeur? C'est pourquoi faites attention. Si vous avez déjà fait ça, arrêtez de le faire. Dieu peut pardonner le péché, mais les conséquences restent. Et des fois, vous allez le chercher avec larmes. Vous allez rendre les genoux des pasteurs comme un chameau. Pasteur, il y a des enfants qui ne viennent pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Lorsque j'étais une masse informe, Dieu voit même ce petit fœtus-là. C'est la raison pour laquelle il considère l'avortement d'un enfant comme un maître ou d'un être humain. C'est dans Exode, vous allez voir, Exode 21, versets 22 à 23. C'est pourquoi un homme comme Job,
Malgré les difficultés que Job est en train de passer, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Amen. Si vous êtes un esprit, c'est que vous êtes aussi un créateur. Amen. En réalité, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous anime en quoi? Aller tuer les gens? Aller faire des guerres? Aller voler? Là, vous travaillez dans l'entreprise, l'argent de l'État ou l'argent de la société est devenu votre argent? Et aujourd'hui, avec le slogan « courte joie », et pour la jeunesse aujourd'hui, c'est devenir riche et mourir jeune. C'est le slogan aujourd'hui, oui. Devenir riche et mourir jeune. Comme nous avons lu ce matin dans Proverbe, des richesses. Hein? Promptement acquis. Et ça va vous profiter en quoi? Et vous écoutez comment il meurt d'une manière atroce. Amen. Amen. Pour créer l'héritage, il faut connaître votre source. Maintenant, qui a connu sa source? Qui a compris, qui connaît sa source, maintenant ses origines? Qui lève la main déjà bien, levez bien la main, voilà. Waouh! Parce que vous allez avoir des dangers ici. Hein? Nous ne pouvons pas croire, frères et sœurs, que dans notre nation, alors que les poissons mers dans le lac, dans le fleuve, qu'on nous commande des vieillesses, qu'on nous commande toujours, l'impiode qui vient avec les formoles. Et quand je vois à Kinshasa, allez voir à Kinshasa, partout où vous passez, vous n'allez pas trouver, montrez-moi des entrepreneurs. Nous venons ici, frères, un enfant de Dieu, des entrepreneurs. Devait être premièrement des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça dit, Dieu, lorsqu'il nous a créés, oh, lisez avec moi le psaume 115. Le psaume 115, le verset 15. Ok, c'est nous pouvons lire ensemble. Soyez bénis. On y va ensemble. Soyez bénis par qui? Qui a fait? Le ciel est là. Qui a fait cela? Mais il a dit, soyez bénis. Et nous allons expliquer bénédiction, c'est quoi. Et le verset 16, il disait avec moi, les cieux sont les cieux de qui? Mais il a fait quoi? À qui? Vos amen me font peur. Hein? Amen veut dire ainsi soit-il. Il a donné la terre. Tape comme ça, il a donné la terre. À qui? À moi. Et qui doit faire que cette terre soit transformée? Que cette terre... Waouh! C'est pourquoi lorsque Dieu a créé, quand il a créé l'homme, il lui a donné la terre au Fils de l'homme. Et comme il a donné la terre au Fils de l'homme, quand il a donné, Dieu a dit, j'ai tout créé. Et ce n'est pas moi qui donne le nom. Ça, vous comprenez ça, frère, ça? Est-ce qu'on est ensemble, frère, ça? Écoutez, je ne veux pas que je sois seulement comme... Je ne suis pas un théologien, je suis celui qui... assiste dans les conseils de Dieu. Amen. 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 Amen.
Ça, ce n'est pas la théologie. Vous pouvez aller dans la faculté de théologie, on ne peut pas vous donner ça. Amen. C'est pas ça, Coco. Hein, pasteur? Dieu, quand il a amené la création devant l'homme, il a dit à l'homme, moi je ne donne pas, Kamunuko, je ne donne pas les noms, toi donne les noms. Et vous savez, celui qui donne le nom a le pouvoir de celui qui porte le nom. C'est pourquoi attention aux parents qui vous donnent le nom. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous avons reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui ? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire quoi ? Quand vous avez cru, votre nom est lié au nom de qui ? Votre destinée est liée à la destinée de qui ? Votre avenir est lié à l'avenir de Dieu lui-même. Même si vous êtes dans la lignée de quelqu'un là où il y a eu des maudits, il y a eu des personnes qui n'ont jamais reçu, soit le premier à reçu. Celui qui est devant vous, orphelin à 4 ans. Papa est mort, il a travaillé pour les Belges. Chef de plantation de veillants, de caoutchouc, que vous avez appris, qui ont enrichi la Belgique. J'ai vu mes oncles, les mains amputées, parce que je suis né à l'époque de Belge. Le royaume de la Belgique avait un territoire qu'on appelait Congo. Tout ce qui se faisait au Congo, même les administrateurs, il faisait ce que la Belgique donnait comme instruction. Et quand papa est mort, vous savez, les familles africaines, ils pouvaient prendre tout ce qu'ils ont pris, mais nous les enfants, nous étions laissés entre les mains de notre maman. Mais qu'est-ce que maman nous disait souvent? Même si papa était dans cette vie, il n'aurait pas l'occasion de satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme Père, il vous prendra en charge. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Mon père n'est même pas arrivé dans la capitale, Kinshasa. Il s'est limité seulement dans sa province. Dans le chef de la province, parce qu'il pouvait venir faire les rapports là où se trouvait, ce n'est pas le siège, mais le succursale de cette compagnie qui était en Belgique. Il s'est limité là. Et parce que celui qui vous parle, c'est le fils de Saint-Sembella, le nom de Saint-Sembella est aujourd'hui dans les 5 continents. Si vous pouvez croire ça. Et ces 5 continents, je n'ai pas, c'est pas seulement le nom, je suis arrivé. En Asie, je suis arrivé. En Australie, je suis arrivé. En Amérique, je suis arrivé. En Afrique, je circule parce que c'est chez moi. Non, pas seulement je circule. Mais comme Dieu a dit, soyez bénis par l'Éternel. Bénir quelqu'un, c'est quoi? Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Bénir quelqu'un, ce n'est pas seulement lui bénir par les paroles. Bénir quelqu'un, c'est lui donner les moyens, les possibilités qui lui permettent d'accomplir les plans de Dieu dans sa vie. Ne dis pas seulement, frère, je te bénis alors que vous avez les moyens. Alors que vous avez les opportunités, alors que vous avez des possibilités. Très bien.
Vous pouvez prendre votre frère, vous pouvez prendre votre cousin à côté de toi. Mais celui qui est votre cousin qui dira, mais il mangeait chez nous, il est arrivé aujourd'hui, je viens récupérer. Et il sera comme ce crabe qui va vous amener en bas. Mais vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas de chez vous, mais qui va vous élever. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Vous savez, lorsque vous êtes ici à la borne, le chemin du Seigneur est comme nous montons sur les quoi? Non pas les escaliers, mais les chaînes. N'est-ce pas ça? C'est comme les niveaux où nous sommes en train de monter les escaliers. Si vous n'aidez pas dans l'escalier, la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est un sentier où on ne marche pas dans l'attroupement. Il faut aider celui qui marche devant. OK? Pour que quand lui monte, vous faites quoi? Quand lui s'arrête, est-ce que vous allez monter? Parce qu'il n'a pas une issue. Mais quand vous l'aidez à monter, vous faites quoi? Mais quand vous le tirez pour qu'il tombe, vous allez faire quoi? Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Merci, nous allons parler de Caleb et des autres demain. Nous avons lu et nous allons parler. On voulait seulement définir pour comprendre que nous ne pouvons pas créer l'héritage si nous ne connaissons pas la source. Notre source qui nous donne l'identité. Alors, comme vous connaissez votre source, alors le jour qui va venir, c'est comment créer maintenant l'héritage. Amen. 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 Et petit à petit, non, vous serez héritier et co-héritier. Amen. Non pas co-héritier, mais vous allez laisser l'héritage. Amen. Parce que la Bible nous dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants des enfants de ses enfants. Levons-nous ensemble. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle. Toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Vous n'êtes pas un objet. Vous n'êtes pas un instrument des hommes. Vous n'êtes pas un objet pour que l'on joue avec toi. Vous êtes si précieux devant le Seigneur. Connaissez-vous votre valeur? Hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons. Comme Dieu, cet homme-là a trouvé son plaisir au milieu des fils de l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a péché, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il a envoyé celui qui trouvait son plaisir au milieu des fils de l'homme. Il est devenu homme pour vous prendre là que vous êtes, pour vous ramener là où Dieu veut que vous soyez. Est-ce que ce matin, vous pouvez avoir un témoignage intérieur que vous êtes enfant de Dieu?
Si vous ne l'êtes pas encore, ce qu'il faut, c'est-à-dire, vous allez rater cette convention que nous voulons nous mettre d'accord ensemble. Une convention, c'est-à-dire, nous venons signer un protocole d'accord ensemble pour que nous puissions ratifier cela, non pas seulement dans notre présence, mais dans notre esprit et notre foi. Parce qu'une convention qu'on n'a pas ratifiée ne vous engage pas. Mais vous allez ratifier cette convention comment? En disant, Seigneur, oui, j'ai compris qui je suis maintenant. On a traîné ma vie, où j'ai traîné ma vie, où je me suis conduit par moi-même, ou par... Oh Jésus, merci d'avoir amené ces hommes et les femmes à entendre ta parole. Ils sont nombreux à la maison, à la salle de la maison de la télé, sur les terrains de basket, au gradin, au jardin, partout, à travers l'enceinte de l'église, dans cette salle, et ceux qui nous suivent au loin, de loin. Seigneur notre Dieu, tu es le seul qui crée, et si un homme veut créer, il doit composer avec toi. Seigneur, des hommes se sont décidés de composer avec toi. Prends-les entre tes mains. Ils ont essayé hier, ils étaient seuls. Ils ont essayé avant-hier, ils étaient seuls. Mais aujourd'hui, ils veulent composer avec toi. Quand le Créateur est en nous, nous serons créateurs avec lui. Seigneur, désormais, que ce qu'ils feront, commençant par devenir enfants de Dieu, ce qu'ils feront en tant qu'enfants de Dieu, quand ils commenceront quelque chose, une entreprise, un bien quelconque, Seigneur, que tout cela ait du succès à cause de ton nom. Qu'un païen entreprenne et qu'il échoue, mais qu'un enfant de Dieu n'échoue pas. Qu'un païen ait des pensées et que ses pensées soient sans solution. Mais qu'un enfant de Dieu voit ses pensées se matérialiser. Et le monde verra les caractères divins en nous. Seigneur, merci. Tu ne nous as pas donné seulement ton souffle. Tu ne nous as pas donné seulement ta présence. Tu nous as donné aussi ta compétence, ta capacité de créer. Merci notre Dieu. De la même manière, tu as dit, allez, soyez féconds et multipliez-vous. Et l'homme peut procréer avec Dieu. De la même manière que l'homme doit créer, l'homme doit inventer, l'homme doit entreprendre et réussir. Seigneur, nous voulons voir des hommes et des femmes qui aient des pensées. Et ces pensées seront assurées, soutenues par la divinité en nous, par ta présence en nous. Qu'ils aillent, qu'ils procréent, qu'ils aillent, qu'ils créent, qu'ils aillent, qu'ils entreprennent et qu'ils réussissent. Il n'y aura pas d'échec car Dieu n'échoue pas. Il n'y aura pas d'échec car Dieu n'échoue pas. Il n'y aura pas d'échec car Dieu n'échoue pas. Entre tes mains nous sommes, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.